Ici Céline Galipeau. Atrocité en Ukraine. Volodymyr Zelensky dénonce l'inaction de l'ONU. L'Occident peut-il sévir davantage? Fuir la guerre ou fuir la misère? Est-ce deux poids, deux mesures pour certains exilés en France? Et la crypto-monnaie, le pari risqué de Pierre Poilievre dans la course au Parti conservateur? Ce soir, au Téléjournal. Готові ви до закриття ООН? Якщо ваша відповідь – ні, то діяти потрібно зараз. Негайно реформувати систему ООН. Таким чином, щоб право вето не було правом смерті. Да, monsieur. J'étais devenu l'ennemi parce que j'ai aidé des gens. Tendre la main à quelqu'un, c'est faire un acte politique. Et là, d'un coup, oui, il faut les accueillir, ces gens qui vivent la guerre. En accueillant chez eux de cette manière irréfléchible les Ukrainiens, c'était une manière de soutenir leur résistance. Bitcoin. C'est innovateur. C'est un hameçon. Il est en train de miner la confiance envers le dollar canadien. D'ici la semaine prochaine, je vais être membre conservateur. Bonsoir, mesdames, messieurs. Encore de nouvelles scènes d'horreur ce soir en Ukraine, où après Boutcha, vous voyez ces corps calcinés, c'est vraiment terrible. On découvre maintenant le drame de Borodyanka, c'est une autre banlieue de Kiev, récemment libérée, où l'armée russe aurait là aussi massacré des civils. Devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, Volodymyr Zelensky, très ébranlé, a accusé les troupes du Kremlin des pires atrocités jamais commises depuis la Seconde Guerre mondiale. Et il réclame qu'elles soient immédiatement traduites en justice pour crimes de guerre. Pour Moscou, tout ça n'est qu'une mise en scène. De Washington, voyons d'abord le reportage d'Azeb Voldegorgis. Attention, les images sont encore une fois difficiles à regarder. Un discours émotif frisant la colère. Volodymyr Zelensky ne s'est pas remis de ce qu'il a vu la veille à Boutcha. Pointant du doigt les troupes russes, il décrit au Conseil de sécurité les atrocités, les massacres dont il a été témoin.